Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 105. C'est l'heure du transfert de Fernanda à la prison. Les policiers emmènent Fernanda à la voiture. Miguel et Willy sont présents. Juan Marcos arrive pour assister à cela. Bernardo et Ophelia sont aussi présents. Nora se cache pour regarder sa fille. Les policiers sont sur le point de mettre Fernanda dans la voiture, quand tout d'un coup Vicente apparaît. Il dit à Fernanda que c'est lui qui l'a trahi, ce qui a permis qu'on l'attrape. Il ajoute que sa plus grande punition sera qu'Angela soit toujours vivante. Ce qui choque Fernanda et les autres. Vicente sort ensuite une arme et veut tirer sur Fernanda. Miguel tire alors une balle sur Vicente pour l'empêcher de tuer Fernanda. Et la police tire ensuite plusieurs coups de feu sur Vicente qui s'écroule. C'est le choc pour tout le monde. Fernanda est chamboulée par la scène. Vicente est en train d'agoniser, Fernanda bouleversée va à son chevet. Vicente qui est mal en point dit ses derniers mots à Fernanda. Il lui dit qu'il l'aimait et l'aimera jusqu'à sa mort. Après ces mots, Vicente meurt. Sous les yeux de Fernanda choquée et totalement bouleversée. Les policiers arrivent en renfort pour quadriller les lieux. Willy remercie Miguel d'avoir sauvé la vie de sa sœur. Le corps sans vie de Vicente est étendu au sol. À l'hôpital, Nicolas a dit à son père d'avouer la vérité à Samantha. Qu'elle et Willy ne sont pas frères et sœurs. Mais devant Samantha, Esteban change de sujet. Et dit à Samantha que Nicolas va mieux, et que les docteurs vont bientôt le libérer. Ce qui fait plaisir à Samantha, qui dit qu'elle va bien s'occuper de Nicolas. Samantha fait ensuite rentrer Jessica qui est venue voir Nicolas. Celui-ci est très content de la voir. De l'autre côté, Gustavo a avoué ses sentiments à Milagros, ce qui a rendu celle-ci très mal à l'aise. Gustavo dit qu'il lui a dit ça, simplement parce qu'il le ressent. Et qu'il n'attend rien en retour. Milagros lui dit qu'elle est un peu confuse, car elle a perdu la mémoire. Donc c'est compliqué pour elle de se mettre dans une relation. Gustavo la rassure que tout va bien. Il lui donne un baiser. Au même moment, les employés de la pâtisserie rentrent, et les interrompt. Gustavo reçoit ensuite un appel de Miguel, qui l'informe que Vicente est mort. Ce qui rassure Gustavo, qui annonce ensuite à Angela que Vicente, l'homme qui l'a kidnappé ne lui fera plus jamais de mal. Car il vient d'être tué par la police. À l'entente, Angela est sous le choc. Sur les lieux du drame, la police fait les constatations et Fernanda est conduite en prison. Ophelia dit à Bernardo que c'est bien que Vicente soit mort. Car c'est comme ça que les traites doivent finir. Bernardo lui dit qu'il veut quitter les lieux immédiatement. Ophelia lui demande s'il ne veut pas remercier Miguel d'avoir sauvé la vie de sa fille. Mais Bernardo lui dit au contraire, Miguel va regretter d'avoir fait ça. Miguel qui a aperçu Nora, va signaler à Willy que sa mère est présente. Willy va en douce prendre sa mère. À l'hôpital, Camilo surprend Lorena avec ses valises. Celle-ci lui dit qu'elle retourne dans son village, car elle ne supporte plus de ne pas être avec Willy. Camilo essaie de l'en dissuader. Il lui demande ce qu'elle compte faire avec le bébé de Willy et Samantha qu'elle porte. De l'autre côté, Willy demande à sa mère ce qu'elle fait devant un commissariat. Et que c'est trop dangereux. Nora lui dit qu'elle avait besoin de voir sa fille Fernanda, surtout après tout ce qui s'est passé. Willy lui demande pourquoi elle ne lui dit pas où elle se cache. Nora lui non, et que c'est trop risqué. Elle demande à Willy s'il peut faire quelque chose pour elle. Willy accepte avec joie, et prend sa mère dans ses bras. À l'hôpital, après que Samantha et Jessica soient sorties de la chambre. Nicolas demande à son père, pourquoi il n'a pas avoué la vérité à Samantha. Esteban supplie son fils de ne rien dire à Samantha, sinon elle se remettra en couple avec Willy. Il ajoute que Willy n'est pas un homme pour Samantha. Esteban supplie son fils de ne rien dire, ainsi lui et Samantha se marieront et ils formeront une famille. Mais Nicolas est un peu gêné. Au même moment, Samantha arrive avec le repas, et leur demande ce qui se passe. Nicolas est sur le point de tout dire, mais Esteban lui fait des signes de se taire. Nicolas finit par changer de sujet et dit à Samantha que c'est juste qu'il l'aime de plus en plus. Samantha heureuse lui fait un bisou. Juste à côté, Lorena a dit à Camilo qu'elle ne veut pas séparer Willy et Samantha de leur enfant. Mais maintenant que Willy n'est plus avec Samantha, elle ne supportera pas qu'il choisisse une autre fille. C'est pourquoi elle préfère partir. Camilo lui dit qu'il la comprend parfaitement, car lui aussi vit un amour qui n'est pas réciproque. De l'autre côté, Fernanda est conduite dans sa cellule. Elle n'arrête pas de penser à ce que Vicente lui a dit, qu'Angela est toujours vivante. Fernanda rencontre ses codétenus,
qui se moque d'elle et essaie de l'embêter. Mais Fernanda les met en garde, elle les insulte et leur dit de ne surtout pas s'en prendre à elle. Car elle est un véritable démon qui n'hésitera pas à les tuer dans leur sommeil. Chez les Del Castillo, Ophelia est très inquiète pour Fernanda. Elle dit à Bernardo qu'elle ne veut pas que Fernanda passe le reste de sa vie en prison. Bernardo lui dit que Fernanda le mérite, mais il la rassure et lui dit qu'il a un plan pour sauver Fernanda. À l'hôpital, Willy arrive avec sa mère Nora qui est déguisée. Lorsqu'il voit Samantha, il dit à sa mère de se cacher. Willy va voir Samantha et lui demande comment va Nicolas. Samantha lui répond que Nicolas va bientôt sortir de l'hôpital, ce qui fait plaisir à Willy. Samantha lui questionne sur sa nuit qu'il a passée avec les filles. Willy la provoque avec des anecdotes de sa nuit. Ce qui agace Samantha qui s'en va. Willy appelle ensuite sa mère, et ils en profitent pour rentrer dans la chambre. À la pâtisserie, les affaires marchent très bien. Gustavo félicite Angela, car tout ça, c'est grâce à elle. Pendant qu'Angela s'occupe des clients, l'inspecteur Duval arrive pour enquêter. Mais lorsqu'il voit Gustavo, tous les deux se reconnaissent car Gustavo a été inspecteur dans la police. Duval et Gustavo sont étonnés de se voir. Duval lui dit qu'il est venu dans le cadre d'une enquête. Lorsque Milagros aperçoit Duval, elle part se cacher. Gustavo invite ensuite Duval à parler calmement chez lui. Angela dit à Gustavo qu'elle s'est cachée lorsqu'elle a su que Duval était un policier. Gustavo lui dit qu'elle a bien fait, il lui dit de rester à la pâtisserie et que lui et Duval iront discuter à la maison. À l'hôpital, Willy est venu montrer son fils à sa mère, qui mourait d'envie de voir son petit-fils. Nora est très heureuse de voir Nicolas, et dit qu'il ressemble beaucoup à Willy quand il était petit. Ce qui fait plaisir à Willy, tous les deux sont en joie. Au même moment, Nicolas se réveille et demande à Nora qui elle est. Dans le hall, Camilo vient informer Samantha que Lorena est retournée dans son village. Ce qui choque Samantha, qui dit Lorena ne peut pas partir ainsi avec leur bébé. Camilo lui dit que Lorena est partie, parce que Willy ne l'aime pas. À l'intérieur, Nora ment à Nico, et lui dit qu'elle est juste l'ancienne nounou de Willy. Qui est partie pendant longtemps en voyage et qui voulait le voir. Willy les laisse seuls pour qu'ils puissent parler. Willy rejoint ensuite Samantha et Camilo. Samantha informe Willy que Lorena est retournée dans son village avec leur bébé. Elle ajoute qu'il est le seul à pouvoir la ramener. Ce qui choque Willy. En prison, Fernanda n'arrête pas de penser à ce que Vicente lui a dit. Au même moment, c'est qu'au détenu la bloque et lui reproche de les avoir insultés. Elles veulent l'attaquer, et Fernanda essaie de se défendre. Une bagarre éclate ensuite. De l'autre côté, Duval explique à Gustavo qu'il est venu le voir, parce qu'ils ont retrouvé une de ses cartes de la pâtisserie dans les poches de Vicente. Aussi Vicente avait créé un faux site de service traiteur. Duval lui montre la photo de Vicente et lui demande s'il le reconnaît. Gustavo lui répond oui, et que Vicente venait leur acheter des gâteaux. Duval lui dit qu'il s'en veut beaucoup dans cette affaire. Car il a emprisonné une innocente, mais maintenant il ne peut plus rien faire, car Angela Valdez est morte. Ces mots choquent Gustavo. À l'hôpital, Willy appelle Lorena mais son téléphone est éteint. Willy se demande ce qu'il peut faire. Samantha lui dit que c'est lui seul, qui peut régler cette affaire. Et qu'il doit retrouver Lorena et la proposer de sortir avec lui. Ce qui rend furieux Willy qui demande à Samantha, si elle le considère comme un objet et veut l'offrir en cadeau à Lorena. Samantha lui dit que si c'est la seule chose à faire, pour que leur bébé soit en sécurité, alors oui. Willy en colère lui dit que si cela ne la dérange pas de le livrer ainsi, alors oui, il va épouser Lorena. Après ces mots, Samantha furieuse s'en va ensuite. Camilo demande à Willy s'il va vraiment épouser Lorena. Willy lui répond oui, si c'est ce qu'il faut faire. De l'autre côté, Miguel discute avec Natalia, lorsque Milagros l'appelle. Elle lui dit qu'elle est très inquiète. Car ça fait un long moment que Gustavo est en train de parler avec le policier. Angela demande à Miguel si elle doit se rendre à la police. Au même moment, Samantha entre toute nerveuse et tombe dans les bras de Miguel et lui demande de l'aider. Samantha voit que Miguel est au téléphone, et elle lui demande avec qui il parle. Miguel surpris reste silencieux. En prison, Fernanda est encore attaquée et violemment battue par une de ses co-détenues. La gardienne arrive et demande ce qui se passe. Fernanda dit à l'autre fille qui a été défigurée dans l'incendie de la prison. Que c'est elle qui a demandé à ce qu'on mette le feu à la prison. Fernanda rigole et dit que c'est grâce à elle qu'elle est maintenant défigurée. Et restera ainsi toute sa vie. À l'entente, la fille est sous le choc. De l'autre côté, Samantha en pleurs explique à Miguel ce qui se passe avec Willy.
Elle ajoute que ça lui fera très mal de voir Willy et Lorena ensemble. Mais c'est le sacrifice à payer pour pouvoir voir son bébé grandir. Miguel lui dit qu'elle est une femme forte qui s'est toujours battue, donc elle ne doit pas abandonner. Samantha est en pleurs et Miguel la prend dans ses bras pour la consoler. À l'appartement, Willy triste dit à sa mère que Samantha veut le jeter dans les bras de Lorena. Et qu'elle s'en fiche de lui. Nora lui dit d'essayer de comprendre Samantha. Pendant qu'ils discutent, Willy reçoit un appel qui l'informe que Fernanda a été battue en prison. Et se trouve actuellement à l'infirmerie. Willy choqué annonce la nouvelle à sa mère. Nora en pleurs dit qu'elle a toujours voulu protéger ses enfants. Nora troublée dit qu'elle sait ce qu'il faut faire pour protéger Fernanda. Willy essaie de la calmer. Plus tard, Milagros veut se rendre à la police. Miguel et Gustavo essaient de l'en dissuader et lui dit que ce serait une folie de faire ça. Mais Milagros reste sceptique. Au même moment, on frappe à la porte, c'est Nora en pleurs qui rentre. Elle est très affectée et répète que tout est de sa faute. Angela lui demande ce qu'elle a. Nora en pleurs dit à Angela qu'elle est vraiment désolée, car c'est à cause de sa fille qu'elle est allée en prison. Ces mots étonnent Milagros. En prison, Fernanda arrive à soudoyer une des gardiennes pour la laisser passer un appel. Fernanda appelle son père et lui demande de faire quelque chose pour elle. Elle lui dit de découvrir si ce que Vicente a dit est vrai. Et qu'Angela Valdez est toujours vivante. À l'entente, Bernardo choqué est intrigué. Pendant le dîner, Fernanda verse son repas car la nourriture est infecte. Une bagarre éclate ensuite. L'autre prisonnière récupère un couteau, et dit qu'elle va faire payer à Fernanda ses brûlures qu'elle a au visage. De l'autre côté, Nora continue de pleurer et de demander pardon à Milagros. Avec toutes ces révélations, Angela se sent un peu bizarre. Gustavo l'emmène pour se reposer. Mais avant, elle et Milagros se prennent une dernière fois dans les bras. Nora dit ensuite à Miguel qu'Angela n'a plus besoin d'elle. Mais sa fille oui. Miguel comprend qu'elle veut se rendre à la police. Il lui dit de ne pas faire ça. Mais Nora dit que c'est ce qu'elle doit faire. Elle dit à Miguel que c'est quelqu'un de fort, qui saura prendre soin de sa sœur. À l'appartement, Willy triste dit au chien qu'il a l'impression qu'il aime plus Samantha qu'elle, et il ajoute qu'il n'arrive pas à respirer sans elle. Samantha arrive au même moment, et lui dit qu'elle aussi n'arrive plus à respirer sans lui. Willy est surpris de voir qu'elle a tout entendu. Tous les deux se rapprochent et sont sur le point de s'embrasser. Mais au même instant, on frappe à la porte. Willy va ouvrir, c'est Bernardo qui rentre. Bernardo les annonce que Nora, la mère de Willy, est toujours vivante. Et il semblerait aussi qu'Angela Valdez soit vivante. À l'annonce, Samantha est sous le choc. En prison, pendant que Fernanda dort. Une des prisonnières s'infiltre dans la cellule avec un couteau. Elle retourne Fernanda, et lui tranche la joue avec le couteau. Fernanda crie d'effroi. Au même moment Nora surgit, elle frappe l'autre fille et la neutralise. Elle va aux côtés de Fernanda, qui se tient la joue en sang, en hurlant atrocement de douleur. Nora menace l'autre fille et lui dit de ne plus jamais toucher à sa fille. À l'entente, Fernanda est choquée de découvrir que sa mère est toujours vivante. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.